Salut à tous, c'est Distrel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo annonce, présentation, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Donc, c'est un jeu. Un jeu tiré d'une idée de La Salle. Donc, il avait fait un jeu, enfin, je vous mettrai la vidéo en haut à droite, en gros. Et vous pourrez cliquer dessus si vous voulez aller voir la vidéo. En gros, il y avait une moto. À la vente d'un enfin il y avait une moto là, c'était la même composition à peu près, sauf qu'il y avait une moto là et il y avait quatre véhicules. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors il y avait une moto, enfin pour ce qu'il a fait La Salle, justement il y avait une moto, il y avait la moto devait fuir en gros. Après c'était la moto devait aller se cacher. 30 secondes après il y avait les véhicules blindés qui partaient à la poursuite de la moto, et après il y avait des voitures sportives 30 secondes après qui suivaient avec les hélicos. Donc les hélicos décollaient, les voitures sportives partaient 30 secondes après cela, qui devaient traquer justement les véhicules blindés et devaient du coup détruire les véhicules blindés. Les hélicos sont avec alors les hélicos étaient avec les voitures sportives. J'ai un peu arrangé la chose. Alors qu'est-ce que c'est maintenant? C'est il y a deux hélicos bah, comme sur comme la composition de ce qu'avait fait La Salle. Au lieu d'avoir 4 véhicules blindés, il n'y en a que 3. Et il y a 4 voitures sportives. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est, moi, je l'ai fait à ma sauce. C'est, les voitures sportives vont partir en premier. Ils ont un périmètre à dépasser. C'est celui-là, donc c'est assez grand. Ça me paraît raisonnable. Donc, ça sera écrit sur la carte, sur le GPS, tout ce que vous voulez. Il y a les voitures sportives qui vont partir en premier. 30 secondes après, ça sera les véhicules blindés, et 10 secondes après, il y aura les hélicos qui vont partir. Donc, les véhicules blindés seront avec les hélicos cette fois-ci. Les hélicos, enfin, repéreront du coup les voitures sportives, et les véhicules blindés devront se diriger, enfin, pour détruire les voitures sportives. Donc, enfin, en gros, le top, ça serait que je fais cette vidéo annonce pour qu'il y ait des joueurs justement qui viennent participer au jeu, que j'hébergerai, je serai pilote d'hélicoptère sûrement. Il y a une particularité aussi, c'est dans les paramètres de la météo. Prévision du brouillard, le brouillard va s'accentuer au fur et à mesure. La foudre aussi, il y aura beaucoup plus de foudre arrivée à la fin, vers la fin du jeu. Les vagues, après ça dépend combien de temps durera le jeu. Les vagues commencent doucement et vont aussi s'accentuer beaucoup beaucoup. Le vent, les rafales aussi. Du coup, ce sera la tempête, quoi. Clairement, ce sera la tempête. Et c'est ce que je veux. Donc, au début, là, y a pas grand-chose de brouillard. Je trouve ça se fond bien dans le contexte. Et du coup, en gros, il y aura, bah, le top, ça serait que, bah, il y ait tout le monde qui se porte volontaire, qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5, 4, 9, enfin, 8 joueurs qui se portent volontaires pour ce petit jeu. Du coup, il faut disposer d'armes à 3, d'un micro de préférence, d'un casque. Le minimum, ça serait qu'il y ait 3 sportives, qu'il y ait 3 voitures sportives, qu'il y ait deux véhicules blindés, et qu'il y ait un hélico, au minimum. Ça serait bien. Donc, plus on sera, mieux ça sera, on va dire. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pas forcément, non, mais vous intéresse, que ce jeu vous met l'eau à la bouche. Je vous mettrai mon Steam dans la description, et vous aurez plus qu'à m'ajouter, et voilà. Sur ce, je vous dis à plus, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.